Bonsoir, la semaine a débuté par un temps calme ce lundi avec des nuages au nord mais souvent du soleil ailleurs comme les jours précédents. On a eu de nombreuses gelées ce matin jusqu'à moins 5 degrés à Ambérieu dans le département de l'Ain, moins 3 par exemple à Mont-de-Marsan dans les Landes et le calme va perdurer pour ce mardi avec certes beaucoup de nuages bas le matin sur tout le tiers nord en descendant jusqu'au Lyonnais, beaucoup de brouillard sur ces régions. Soyez prudents, ailleurs un ciel beaucoup plus lumineux avec un voile nuageux tout de même dans l'ouest. Et puis quelques nuages qui vont remonter près de la Méditerranée et qui seront plus envahissants l'après-midi sur le Languedoc et sur le Roussillon. Dans l'ouest, un ciel voilé mais globalement lumineux. Plus de nuages néanmoins sur la pointe du Finistère. Et puis dans les plaines et vallées du nord-est, les nuages bas pourraient se montrer tenaces et perdurer tout au long de la journée, notamment par exemple vers la plaine d'Alsace ou encore vers le Val de Saône. Les températures de ce mardi matin, de nouveau froides avec des gelées sur les mêmes régions que les jours précédents, souvent entre moins 3 et 1 degré pour le sud, le centre et l'est, et dans l'après-midi, des températures qui remontent dans le sud, 14 degrés attendus par exemple pour Clermont-Ferrand, 18 à Biarritz, mais sous les nuages bas tenaces du nord-est, il fera froid. On n'attend pas plus de 3 degrés pour Dijon et 4 degrés pour Strasbourg. Mercredi est toujours un temps calme avec un soleil dominant bien que voilé, plus de nuages pour l'extrême nord, des pluies qui devraient déborder sur la Bretagne et d'autres qui remonteront par le Languedoc et par les Cévennes. Les températures seront à nouveau bien douces pour l'après-midi, notamment dans le sud et l'ouest. On attend 14 degrés pour Rennes, 16 degrés pour Limoges, 18 attendus dans le Pays Basque. Jeudi, un temps qui restera dominé par le soleil, même si on aura quelques grisailles dans le nord du pays, beaucoup plus nombreuses d'ailleurs en direction des Flandres. Toujours ce temps humide qui va concerner le Languedoc et le Roussillon, apporté par un vent d'autan sensible et des températures qui resteront plutôt douces pour la saison. On aura 14 degrés en Touraine, 16 degrés à Perpignan, 18 entre Toulouse et Biarritz. La suite avec vendredi et samedi est toujours des conditions calmes pour la plupart des régions, sauf vers le Roussillon vendredi avec de la pluie, et pour l'ensemble du bassin méditerranéen pour samedi, ce sera sur le reste des régions une alternance de grisailles et de belles éclaircies. On affinera ces prévisions, en tout cas il fera frais au nord et doux au sud, et puis la fraîcheur pourrait s'affirmer pour dimanche et pour lundi avec une grisaille plus ou moins tenace, notamment dans le nord du pays. On aura évidemment à l'occasion de vous en reparler. Ce soir, on prend la direction des régions alpines avec ce très joli cliché depuis les sommets de Saint-Laurent-du-Pont dans le département de l'Isère. Une belle journée avec ces quelques altos cumulus en fin de journée. Nous serons demain le mardi 24 novembre et nous fêterons la Sainte Flora. Bonne soirée à tous et à demain.